Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite map, en fait, en mode aventure, qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan qui est là, qui est de Overtech. Ça doit être, c'est sa tête, en fait, de IG, en fait. Donc là, oui, voici la tête Overtech, oui, merci. Et vive les koalas, il aime bien les koalas, en fait, c'est une tête de koala. Et non, il n'y a rien à voir. Dommage pour toi. Bon, tant pis. On fait un peu de publicité ou un peu une fiche technique, on va dire, de Overtech. C'est un mapper, on va dire, un builder mapper qui fait beaucoup de cartes, un peu de tout, en fait. Il fait beaucoup de PVE, en fait, principalement s'orienter PVE, avec des petites énigmes. Donc, il faut tout le temps essayer de trouver ou régler des énigmes pour avancer dans ces cartes. Donc, c'est un très bon mapper. Je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Donc cette carte-là, elle se joue en 1-12, je la joue en 1-12-2. Voilà, donc on appuie sur le bouton, mais il a disparu, et ça nous fait apparaître une plaque, qui nous fait apparaître une autre plaque de pression. On stun, et encore une plaque en stun, hop là. Et là, c'est une plaque en, pas de fer, mais plutôt de quartz. Et un monument. Donc c'est vraiment le style à, c'est le style à Overtech, en fait. Donc voilà. Donc, il joue beaucoup. C'est un très très bon développeur. Donc cette pioche, qu'est-ce qu'elle fait? Peut détruire les pierres. Ok, ça marche. Donc certainement il a fait apparaître des pierres. Je vois qu'il y a deux blocs qui sont pas de la pierre, mais qui sont plutôt du hop du charbon. Waouh. J'ai fait, en fait, là, je joue cette partie avec une 1-12-2. Pourquoi? Parce que j'ai déjà Optifine qui est installé dessus, donc voilà. Donc j'avais envie d'avoir d'Optifine, en fait. Même s'il n'est pas du tout obligatoire, c'est le mode. Là, vraiment, il n'y a pas de mode qui sont nécessaires pour jouer à cette carte-là. À ces cartes, d'une façon générale, en Overtech. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait une 1-12. Hop, on a changé de pioche, j'ai l'impression. Oui, celle-là, elle détruit le minerai de charbon. Hop, je vais tricher un peu. Ouais, je prends le deuxième charbon et il va me donner une autre pioche. Eh oui, et celle-là, je vais l'avoir. Eh, je t'ai eu. Je suis sûr qu'il va me l'enlever dans sous peu. Et donc, cette pioche-là, donc, il va m'enlever, qui va détruire le fer. Ok. Hop, le fer, ça marche. On est au mode de... aventure là, donc on peut absolument rien taper, rien casser, rien faire quoi. Hop, donc oui, notre pioche a changé et on a une hache à la place. Et là, la pousse qui donne un arbre. Ok, là on va tout exploser. Oh, allez, je prends mon temps. Non, je vais pas prendre mon temps. On va pas être vache à ce point là quand même. Hop, ah oui, il m'a fait disparaître sauf cette pioche là que. Il l'a pas fait. Donc il m'a changé. Donc il m'a crafté une table de craft. C'est sympa. Il nous a posé un bloc de lapis. Merci pour qu'on puisse poser la table de craft. Pour qu'on craft, comme vous avez vu le message en bas, un four. Et il nous a fait apparaître un autre bloc de lapis. Tout ça pour faire cramer. Hop. Pour faire cramer notre fer. En attendant que le fer crame. Je vais tricher, ok, je vais tout jeter là, hop, 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 comme ça je les récupère. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Oui, je peux crafter un seau. Oui, je peux. Je peux, oui, bien sûr, je peux. Et, allez, le troisième fer. Donc c'est un four qui est sur un bloc de lapis, lapis et lazuli, ok. Notre seau s'est transformé en seau d'eau et vous, je vais venir vous récupérer. Ok, donc on est bien en game mode, donc en game mode, pardon. Je vais arriver. On est en mode aventure en fait, donc voilà, on peut absolument rien faire.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, c'est parce que je crois qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui, il y a quelque chose qui a changé. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Ok, on va aller voir dans le monument. Qu'est-ce qui a changé? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui a changé? Je vois rien. Allô? Qu'est-ce qui a changé? Ma fontaine. Bon, on va revenir. On va aller à cet environnement, à cet à ce nouveau monument qui est. Ah oui, ok, les choses sérieuses commencent. Alors, tuer 21 démons. Ok, on va tuer les 21 démons. On va du moins, on va essayer si c'est des démons. Donc, voilà. Ah, c'est cool, sans truc. Mais ça fait quoi? Ok, le mal range vos jambes, votre cœur, ok, ma tête, ok. Ah, ce n'est pas celle de Link. Ok, bah si c'est pas celle de Link, c'est pas grave. Là, j'ai des cœurs en plus, 3 cœurs en plus, et il faut que je tue 21 démons. Bon, je vais voir combien de fois je vais me faire laminer. Oui. Ah oui, il fait mal. Ah oui, il fait mal. Il fait mal, ouais. Ah, il fait mal. Il m'a touché, en fait. Trichotte. Donc j'ai intérêt à les faire en trichant. En trichant, non. Donc je recule tout le temps en fait. Mais je récupère, j'ai régène en fait. Donc ça va vite avec régène. Ah oui, il m'a touché, il m'a vraiment touché. Trichotte, pardon. Ok. Laisse-moi récupérer, j'ai pas récupéré. J'ai pas récupéré ma vie, laisse-moi récupérer ma vie, s'il te plaît. Je sais pas combien j'en suis, mais je pense que 21 il va me. À 21. Ok, pardon, je me concentre maintenant parce que masque de cœur. Ok, bon, c'est pas grave. J'espère qu'il m'a pas remis le compteur à zéro. J'ai été tué par un démon. Voilà. Je lui ai même pas passé un coup, il a commencé. Mais là, ils sont nombreux, ouais. Donc je peux pas. Je ne sais pas quel type de démon en fait. Oh, il court en plus. Et court, est-ce que ça pas de. Ah, c'est pas des zombies modifiés, je ne sais pas. C'est dommage, ça se voit qu'il n'y a pas affilage en fait. Si vous rappelez affilage, en fait, c'est le nouveau truc qui est apparu avec. Je me rappelle plus. Mais si, c'est la 1.12, il existait. Genre quand on tape elle n'a pas affilage de toute façon, l'épée. Quand on tape un mob, au fait, il y en a plein. Tout le monde est touché. Et ça, c'est super pratique, au fait. C'est vraiment super pratique. Ok, je touche 3, 3, 4. Il leur faut 4 coups. Il leur faut 4 coups à chaque fois. Ah oui, non, mais là. Oh oui, non, mais j'ai le paquet là. Ah ouais, j'ai un paquet derrière moi. Ok, oula, lui, il court carrément. Oh là là. T'inquiète pas, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Oui, t'inquiète pas. Non, tu veux. Je t'ai eu. Bon, du moins, c'est pas toi qui m'aurais tué. Ouais, mais lui, ton pote. Oh, mais il court carrément. Ouais, genre, hey, laissez-le moi. Laissez-le moi. Vous inquiétez pas, vous allez tous me tuer. Soyez pas jeune. J'aime bien leur rire. Allez, j'ai eu un. J'en suis pas. Je ne sais pas à combien j'en suis, mais. Ok. Ok, oui, tombe, 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 allez, tombe, ne me touche pas, toi, d'où tu me touches? D'où tu me touches? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus. Qu'ils sont de plus en plus nombreux. Allez, ok, ah, si, c'est bon, j'ai eu mes 21. C'est cool. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu as eu de la chance, mais hop. Mais ce n'est pas terminé. Va sur la plaque au nord, oui. Il faut retrouver les trois blocs spéciaux pour vaincre les démons. Ouais, ok. La plaque d'or, la plaque d'or. Ouais, je vois de la redstone là-bas. Genre, il a mis une grosse flèche. Non, c'est pas de la redstone, c'est de la laine bleue, de la laine rouge. Genre, elle est là, la plaque d'or. Elle est pas là. Elle est là. Donc, allez, oups. Coucou. On se retrouve dans un labyrinthe, j'ai l'impression. La sortie de cette mine, mais je crois que pour la sortir, il te faut faire quelque chose de spécial. Ouais, pourquoi pas. Ouais, cool, une pioche. Elle peut piocher quoi? Des pierres. Ah, je crois connaître ce genre d'énigme.
Ouais, je crois qu'on a ce genre d'énigme en fait. Là, j'ai l'impression. Ok, bon, là, on sait qu'on a de la laine, donc ouais, je crois que c'est bien ça. En fait, ce genre d'énigme, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir quelque chose qui permet de casser. On va avoir un outil qui permet de casser un truc spécial. Genre, on a une pioche qui va casser que de la stone. Que de la cobblestone, que de la pierre, mais par contre, elle fait rien du tout sur du truc. Donc les torches peuvent être posées juste sur les blocs de charbon, ça je l'ai bien compris. Voilà, on peut rien les mettre avec. On a des petits trous partout. Ok, hop. Ah, coucou le coffre, je t'ai vu. Coucou le coffre, je t'ai vu. Ah oui, non, mais on peut pas récupérer nos torches. Ah, c'est de l'arnaque. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va par là ou par là? Allez, je vais par là. Je vais par là. Allez. Et donc là, il m'a parlé tout à l'heure de trois blocs. Je casse tout, excusez-moi. Donc, il nous a parlé de trois blocs spéciaux. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Ok, tata, il faut trois blocs spéciaux. Donc, j'imagine que les trois blocs spéciaux, ce sont des blocs spéciaux. Donc, c'est bien ça. Ah, vous avez vu, là, j'ai de la terre, par exemple, je peux pas aller plus loin. Donc, à certains moments, je vais avoir certainement une pelle. Hop, je mets ma torche. Comme ça, je suis passé. Et là, on va aller par là. Je mets ma pioche. Hop, là, j'ai un truc. Et j'ai aussi de la terre. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'il y a deux passages. Bon. Et vas-y, mollo, avec les torches. Vas-y, mollo, lolo. Ok. Ça marche. Ok. À la recherche de je ne sais quoi. Bon, au pire, au pire, au pire, si je vois que ça prend beaucoup de temps, je passe ce genre de truc en accéléré. Parce que j'ai pas spécialement. Ah, j'ai cru voir un truc. Oui. Ouais. En fait, quand on est retourné, ouais, je pensais bien qu'il y allait avoir un truc comme ça. Donc, on va dire ce coffre-là, c'est fait. Mais comment je vais poser une torche là-dessus? Ok, c'est bon. Je me disais bien qu'il y avait un truc dans le genre. Donc, ce que je fais, c'est je reviens vers le premier ou je continue. Oh non, si, j'ai un autre coffre ici. Ouais, donc, ah, allez. Donc, c'est une émeraude. Je me demande, c'est un des blocs spéciaux, ça serait pas un bloc d'émeraude. Si c'est un bloc d'émeraude, donc ça, il va falloir 9 émeraudes. C'est une supposition, donc je suppute que. Voilà. Je mets une torche comme quoi je suis passé par là. C'est comme ça, hop. Et j'ai de la terre. De la bonne terre bien fraîche. Qui sent le pays. Hop. Ah, il m'ouvre un autre passage. Bah, le passage, on va pas y aller tout de suite. Je préfère revenir un peu sur mes pas pour aller voir. Là, il n'y a rien, je crois. Non, si, c'est là d'où on vient. Non, il y a du bois derrière. Donc, à un certain moment, on va avoir une hache. Ça, je ne peux pas. Et ça, il y avait de la terre, normalement, là. Et bien sûr, il y a du bois. Je vois du bois. Ok. C'est quoi, ça? Ah, ok, il y a un coffre. C'est cool, je prends. Alors, j'en ai deux. Ok. Je sais pas où est-ce qu'il va ce coffre. Bon, c'est pas grave. Bref, on a plein, 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 plein de trucs à casser. Ok. Hop, non, il n'y a rien. Donc, c'était une perte de temps. C'était une perte de temps. Ouais, mais je mets des torches pour dire que je suis passé. Non, mais là, je suis pas passé. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai fait une bêtise. J'ai sauté. Il y a deux blocs de haut. Je pourrais pas remonter. Oui. J'espère qu'il est sorti par là. Ah, j'ai pas réfléchi. J'ai sauté direct. Bon, on verra. Ne me dis pas que tu m'as mis de la lave en dessous, s'il te plaît. Sois cool. Ah, il y a de la terre, donc c'est bon, j'ai une pioche. Et mais il y a du bois. Il y a du bois. Et le bois, j'ai pas de hache encore.
Effectivement, la pelle, la super pelle magique, ouais, cool. Et c'est cool parce que ça ne s'use pas. Ah bon, il y en a de la terre. Ah, il y en a de la terre. Oh là là. Ouh là là. J'ai un coffre. Et une chire, yes, une cisaille, je prends. Est-ce que je peux revenir au début parce qu'il y avait de la laine? J'en sais rien, on verra. Mais normalement, oui, je pense. Sinon, il va pas nous dire game over. Ah oui, il y a de la terre ici, il y a des blocs ici. Et il y a des blocs sur ma droite, je les ai vus, j'ai pas encore ouvert, mais j'ai commencé par là. Il y a des gens qui aiment bien aller sur la gauche quand ils ont des labyrinthes. Moi, je suis plutôt. J'ai pas de sens, en fait. Mais j'aime bien aller sur la droite. Bon, il n'y avait rien. Bon, ok, comme ça, c'est fait. Ça, je peux pas. Ok. Je mets une torche. Et là, on va ouvrir. On a une ouverture. C'est déjà bien. On n'est pas complètement paumé. Bon, il va y rester 7 émeraudes. Certainement une hache à prendre. Certainement une hache à prendre parce qu'on a du bois partout, on l'a vu. Coco, je peux pas monter là. Et là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On remonte. Ah non, j'ai vu qu'il y avait. Ah oui, non, je suis venu par là. Donc je peux remonter. Oui, là c'est ok. Donc là c'est mon passage en fait. Là on est venu par là. Ok, non, j'ai vu de la laine au début. Donc là, on est au début, ok. Donc c'est bien au début. Ok, il y avait bien un coffre là. Et il y a encore une. Il me semble qu'il y avait un. Ici, c'était du bois, en fait. Que je peux pas. Ouais, c'était bien du bois. Et c'est là où je suis tombé. Bah, d'ailleurs, je peux retomber pour que ça aille plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui. Ah, j'avais pas vu ça. Bon, bah, il n'y a rien. Ok, ça marche. Donc, on repart. Ça, c'est du bois, on peut pas. Ça, c'est. On est déjà venu par là. Ouais, c'est sûr. Ouais, on a trouvé, je sais plus quoi, ici. Ok, on a trouvé la pelle. On a trouvé la pelle. Donc, ok, on casse ici. Ting, ting. Ding, ding. Je casse tout comme ça, aucun risque d'oublier quoi que ce soit. Hey, tu m'as mis de la terre, pourquoi? Puisque je peux ouvrir avec de la cobble, je peux ouvrir avec ma pioche de la cobble. Et ça va loin là ou quoi? Ne me dis pas qu'il a mis la pioche. Non, pardon, la hache derrière le mur de planche. Parce que là, c'est pas intelligent. Non, je pense pas, sinon il aurait corrigé ça depuis longtemps, quoi. Il aurait eu plein de gamers pour lui dire, hey, qu'est-ce que tu nous as fait là? Non mais. Ouais, cool. Est-ce que ça va être émeraude ou hache? Eh ben c'est la hache. Donc, est-ce qu'on revient au début tout de suite comme ça, on revient plus ici? Ou est-ce que non, je pète ce truc déjà. Et après, je crois que ah j'ai de la laine, c'est cool, c'est cool. Oui, c'est cool, c'est très très cool. Ok. Ah oui, ça monte haut. Ça monte très très haut. Non, oui, ok. Je suis à 3, toujours à 3. J'ai rien trouvé d'autre, bien sûr. Allez, il me manque 6. J'espère qu'ils vont être assez simples à trouver. Parce que là, ouais, cool. Il est vraiment sadique. Donc il a mis un mur derrière un mur derrière un mur derrière un mur. Ah non, j'ai un coffre là.
Donc là, ça ne peut être que une torche. Une torche, oui, pardon. Un diamant. Ah, il est mode, je suis arrivé. Ok, je finis de péter ce mur-là. Ok. Maintenant qu'on a tous les outils, je pense que ça devrait aller vite. Je dis bien, je pense que ça devrait aller vite. Ok. Donc, on vient d'où? Et surtout, là, avec ce mode plus ou moins sombre, j'y vois que dalle. J'ai un mal fou à me repérer. Vraiment, j'ai un mal fou à me repérer. Ouais, je crois que je vais remonter. Je vais monter à l'avant. Toute façon, c'est par là. Ça fait que monter, je crois. Et c'est pas par là. Je crois que c'est plutôt par là. Ouais, parce que là, au début, il y avait du bois ici. Je me rappelais bien. Là, on est pratiquement au début. Et hop. Donc là, en théorie, je crois que tout ce qu'on va trouver là, ça ne va être que des trucs. Voilà. Et par là, il y avait du bois. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y avait du bois? Et en bas aussi, il me semble qu'il y avait du bois. Ouais, il y avait du bois en bas. On a trouvé juste une sortie. Ok, encore un coffre. Allez, plus que 3. Une fois qu'on a les outils, c'est bon en fait. Ouais, cool. Et cool. Bon, ok. Il me semblait qu'il y avait du bois, ouais. Ça va, j'ai de la mémoire. Je suis pas complètement foutu, on va dire. Ok, donc plus que 2. Plus que 2. Et derrière, il n'y aurait pas une sortie? Non. Non, il n'y a pas de sortie. Pas de sortie. Ah non, quoique, peut-être, je sais pas. En torche pour dire qu'on est passé. Allez. Dis-moi qu'il y a une sortie, s'il te plaît. Une sortie parce que j'ai pas envie de. Je sais pas comment je suis sorti tout à l'heure. Je m'en rappelle plus. Je crois que il y avait un passage, je sais pas quoi. Allez, non, toujours pas, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ah, sur le côté, peut-être. Et là, il y a quoi? Si t'as raté de sauter, ça serait bien, peut-être. Toute façon, je démolis tous les blocs, comme ça, on sait jamais. Vous avez vu le jeu que du début, un bouton en plaque de pression, plaque de pression, plaque de pression. Donc, il est très joueur. Overtech. Donc, bah, voilà, il y a une ouverture là. Je vois une ouverture. Ah non, c'est pas une ouverture, c'est un charbon, un bloc de charbon sur lequel on peut déposer une torche. Une torche. Il y avait un passage aussi de l'autre côté que j'ai pas emprunté. J'ai dit, je commence par là d'abord. On verra. Et là aussi, j'ai l'impression que c'est un passage. Donc là, on a un double passage. Ça se trouve, ça donne la même chose, on verra. De toute façon, dès qu'on a nos 9 émeraudes, croyez-moi, on va pas rester très longtemps ici. Peut-être que je filmerai en offline. Donc, si c'est quelque chose d'intéressant, je vous le montre, ou sinon, c'est pas la peine. Peut-être qu'il y a des trésors cachés ou quelque chose comme ça. Ah, j'aime bien quand il y a des blocs. Quand il y a des blocs de charbon, c'est qu'il y a quelque chose. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Ok, merci pour le bloc de charbon, mais ne me dis pas qu'il n'y a rien. Allez, montre-moi un coffre. Allez, il manque deux torches. Deux torches. Deuxième rote. Ok. Vislard. Ah, t'aimes bien. T'es sadique, t'aimes bien martyriser les gens. Bah, je vous dirais, si ce n'était pas le cas, on s'ennuierait vite, quoi. Et ces cartes ne seraient pas aussi connues. Bon, ok. Et t'aurais dû mettre Efficiency sur tes pioches. Ouais, il y avait un coffre, ok, c'est cool. Donc c'était bien là.
Ah, il n'y a pas de torche avec celui-là. Bon. Radin. Et donc, et là, on a dit qu'il y avait un passage. On va l'emprunter. Peut-être qu'il va nous emmener vers la sortie et vers la sortie. Et le dernier, les derniers, les derniers. Et le dernier. Ah si, il y a un passage aussi. Par là. On va le prendre. J'aime bien quand ça monte. Ok. Ne me dis pas que tu vas faire le sadique comme ça. Un coup de la terre. Un coup de. Il manque de la laine, tiens. Ou du bois, tant qu'à faire. Un coup de la terre, un coup, un coup, un coup. Ouais, ça monte encore. Oui, ça monte. Ah ouais, non, il voulait vraiment. Il veut vraiment rendre les trucs assez. Pas simple. Bah, je vous dirais, il aurait fait des cartes très simples. On s'ennuierait vite. Allez, on s'attend à avoir du bois, par exemple. Je vous ai dit. Et certainement après de la laine. Ouais, cool. Tant qu'à faire. Et encore du bois. Et encore du bois. Ok. Si ça commence à devenir dense comme ça, c'est que on est certainement vers la fin. Sinon, il aurait espacé encore ces blocs. Parce que là, ils sont denses, donc je pense qu'on est vraiment vers la fin là. Ils sont denses. Ils sont. Ouais, il est là le coffre. Donc, hop. Allez, ouais. Et notre neuvième. Notre neuvième. Ok. Et ce. Notre neuvième truc. Ok. Ok, oui, c'est bon, voilà. Là, c'est tout le début, en fait. On arrivait par là, il y avait le coffre tout en rouge. Hop. Et donc, on part par là, et on va normalement, là, on l'a pris, ouais, on a tout pris, de toute façon. Donc, c'est par là, ensuite, c'est pas... Là, on peut en... Non, c'est par là, c'est par là. Je me fais confiance. Je serais bien le seul. Non, je plaisante. Donc c'est par là, par là, par là. Non, c'est pas par là, c'est par là. Et on a, c'est là où on est monté en fait. Et la sortie doit être par là. J'ai plein de torches. Je vais tout torcher. Ok. Donc, et. As-tu trouvé les nappes émeraudes? Sinon, elles sont cachées un peu partout. Cherche bien. C'est ce moyen de sortir de et de vaincre le mal. Ok. Donc la sortie est par là. Je pense que il faut mettre un bloc d'émeraude pour sortir. Chose qu'on verra au prochain épisode. Bon, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Merci de liker. Merci de le faire partager. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour que vous voyez la suite. Je vous dis à bientôt. Tchou, 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 tchou.